BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Et dans cette émission, on parle souvent de l'institutionnalisation en cours de l'écosystème Web3. Et on en a un bon exemple cette semaine avec SG Forge. Après être devenue la première entreprise à obtenir son agrément PSAN en juillet dernier, eh bien SG Forge poursuit activement son développement dans les actifs numériques. Deux grosses annonces cette semaine. Première émission d'obligations vertes sur la blockchain Ethereum et lancement de leur stablecoin Euro. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Amaury. On en parle dans quelques instants, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Et Cocorico, on a aussi Idemia, entreprise française de sécurité numérique, qui annonce lancer un nouveau type de hardware wallet. Jérôme Edenbaum nous dit tout dans quelques instants. Bonjour Jérôme. Bonjour Amaury. En charge du business monnaie numérique chez Idemia et auteur du livre « Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies ». D'abord, on est en ligne avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Bon, petite correction pour le Bitcoin qui perd 1,5% aujourd'hui, mais reste tout de même en hausse de près de 14% sur la semaine. Il faut le souligner. On est autour des 43 200 dollars, Valentin. Ouais, en effet, c'est donc on s'était eu la semaine dernière. Donc on reste dans la continuité de nos interventions. On continue, c'est une avancée continue, on gagne comme vous dites encore près de 15% sur la semaine. Ce qui est intéressant d'autant plus techniquement, c'est que on est en train de faire des montées par palier, c'est-à-dire que chaque zone de résistance qu'on forme devient une zone support et c'est quand même des formules des figures techniques plutôt rassurantes normalement parce que c'est des constructions qui se font progressivement. Et c'est vrai qu'avec le potentiel de bonnes nouvelles, en espérant qu'elles ne soient pas totalement intégrées, qui peuvent arriver. On parlait d'euphorie la semaine dernière, on était à 38 000. Je vous avais dit que si on passait les 40, 42 avec du volume, on pouvait aller viser les 44. On est réarrivé à 44. Là, on a toute petite prise de bénéfice sur ce niveau-là. Et encore une fois, si on repasse pour moi les 44, toujours plutôt d'accord avec cette euphorie qui est en train de se former. Donc si on passe 44, on pourrait avoir un dernier objectif à 48. Et je pense que pour le coup, à 48 000, en revanche, on aura beaucoup plus d'hésitation et pourquoi pas de vraies prises de bénéfices sur ce niveau-là. Merci beaucoup Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée Valentin. Bonne journée. Grégory, on le disait, grosse semaine pour SG Forge, la filiale de la Société Générale. Deux grosses actualités, mais on commence par la première, qui est l'émission d'une obligation verte sur la blockchain Ethereum. Ouais, ceux qui doutaient de l'institutionnalisation du secteur, là, on a eu un peu pour leurs frais, parce qu'il y a, oui, comme tu le disais, deux grosses annonces. Et la première, c'est la tokenisation d'une obligation verte sur Ethereum par SG Forge, donc la filiale blockchain de Société Générale. L'intérêt, il est assez évident, en fait, quand on est dans le secteur des obligations vertes, surtout, en fait, il faut faire attention aux données. Et souvent, elles se perdent un peu dans les flux. Et en fait, là, toutes les données liées, au côté vert, des investissements, ils sont ancrés dans le smart contract. Et ce qui rend les choses très transparentes, très traçables. Donc, la blockchain a un intérêt évident. Il y a aussi le fait que, on peut émettre le titre aussi très facilement. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Mais voilà, belle réussite, de Société Générale, Et les obligations ont été souscrite par AXA IM et Generali, quoi, qui ne sont pas des petits acteurs. Donc ça montre que voilà, les géants de la finance sont vraiment dans la blockchain, l'utilisent. Voilà, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et la nouvelle... Pour le stablecoin ou oui, alors voilà, peut-être, alors peut-être déjà, on peut continuer là-dessus. C'est intéressant d'en parler avec Jérôme juste avant cette émission. On est sur une blockchain publique, ouais. La blockchain Ethereum. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y a d'autres entreprises, Grégory, sociétés qui avaient lancé ce genre de produit-là, mais c'était sur une blockchain privée. Là, on est sur une blockchain publique. Qu'est-ce que ça change ? Ouais, effectivement, le choix de Société Générale est assez audacieux, assez courageux et vraiment en raccord, je trouve, avec l'écosystème crypto, ce qu'il défend depuis le début, quoi. Donc la transparence, la décentralisation. JP Morgan, qui est une banque, qui est quand même pas mal impliquée dans le secteur
investisseurs crypto. Eux, ils ont lancé un stablecoin, ils ont plein de projets dans la blockchain, mais c'est sur des blockchains privées, donc c'est-à-dire sur des blockchains qui, sur laquelle ils exercent une autorité centrale, un contrôle total. En fait, c'est pas si intéressant que ça de faire de la blockchain de cette façon-là. Ça revient en fait à avoir un serveur qui contrôle tout. Là, Société Générale utilise une blockchain publique, donc en fait, ils tirent tous les avantages de la décentralisation. On a moins besoin d'intermédiaires, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Bon, voilà, c'est assez audacieux, quoi. Venant d'une banque, je pense qu'il faut le souligner, ça mérite du courage de faire ça. Et en plus, fait aussi avec d'autres acteurs, hein, tu l'as souligné, Grégory, de la finance traditionnelle. On peut dire que c'est une première mondiale. Sur l'obligation verte Alors, première mondiale sur une blockchain publique. Il me semble qu'il y en a déjà eu une. BNP Paribas avait réalisé, il me semble, une sorte d'obligation verte avec EDF. Mais en tout cas, là, c'est le premier projet d'ampleur. Hein, parce que là, il me semble qu'on parle de centaines de millions d'euros. Hein. Et évidemment, deuxième grosse news hein, pour SG Forge cette semaine. Alors j'ai dit en introduction que c'était le lancement de son stablecoin euro. Bon, évidemment, il est déjà lancé, mais c'est son listing sur Bitstamp, Grégory. Oui, c'est ça. Cette semaine. Le stablecoin a été présenté et est sorti en avril dernier. Donc c'était le premier grand stablecoin lancé par une banque hein, de dimension mondiale. Hein, donc ça est disponible hein, sur une blockchain publique. Donc ça, c'était déjà important en avril. Et là, c'est la première fois qu'il est listé sur une plateforme d'échange, c'est-à-dire qu'en fait n'importe qui là peut acheter le stablecoin de Société Générale. Donc pour Société Générale, ben c'est excellent parce qu'en fait les plateformes d'échange c'est un peu la porte d'entrée hein, pour l'écosystème crypto. Donc voilà, ils vont lentement. Donc il y a lancement, maintenant listing sur les plateformes d'échange. Ils vont un peu assouplir les restrictions qu'il y a dessus prochainement. Enfin voilà, le projet devient de plus en plus libre, on va dire, et de plus en plus utilisable. Et c'est assez intéressant. Et quel est l'intérêt réel de lancer ce stablecoin? Des stablecoins, on en a déjà beaucoup sur le marché. Qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci? À quoi est-ce qu'il va servir concrètement, Grégory? Alors, selon moi, il se distingue de tous les autres projets par sa réserve, hein, qui est en fait, pour moi, la plus sûre du secteur. Dans le sens où, bien qu'au sens juridique, ce stablecoin est un actif numérique, il a été conçu par Société Générale comme un instrument financier traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a des normes de conformité très hautes. Et par exemple, hein, si Société Générale ou Forge faisait faillite, vous auriez toujours la possibilité de rendre des stablecoins contre de vrais euros. La réserve, elle est gérée par un trust, hein, un agent fiduciaire, donc indépendant de la banque. Donc c'est pas comme si, par exemple, Tether, hein, donc le plus gros stablecoin du monde, l'USDT, si eux ils font faillite, vous reverrez jamais les dollars qui sont derrière. Et la question de la sécurité de la réserve, c'est très 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 important. Moi, je trouve que Société Générale a trouvé la formule, en tout cas la plus sûre, pour sécuriser les utilisateurs. Donc ouais, ça c'est très bien. Et quelle utilisation concrète du coup la Société Générale prévoit d'avoir avec ce stablecoin là? Alors il y a trois fonctions principales pour ce stablecoin. C'est un actif de règlement, tout simplement. Bah, quand vous voulez souscrire une obligation, par exemple une obligation verte sur la blockchain, bah vous avez besoin d'une crypto-monnaie pour l'acheter. Et bon, vous n'allez pas le faire avec du Bitcoin. Hein. Si vous êtes une grande institution financière, vous n'allez pas acheter ça avec du Bitcoin. Vous avez besoin d'un stablecoin de référence ultra régulé qui rentre un peu dans vos cases hein, de conformité. Eh bien, l'euro convertible, c'est son petit nom, en tout cas, remplit ce rôle. Il y a une deuxième fonction aussi, c'est tout simplement une alternative aux stablecoins existants, hein, qui ont des propositions de valeur différentes. Et voilà, la troisième fonction, c'est les paiements transfrontaliers. C'est qu'aujourd'hui, pour faire des virements à l'autre bout du monde, hein, quand on est une institution financière, ça met du temps, il y a beaucoup d'intermédiaires, ça coûte cher. Là, ça se fait en quelques secondes. Donc, il y a beaucoup de perspectives hein, pour un outil comme ça. Bon, intéressant. On voit qu'a priori, avec ce stablecoin, en tout cas ce stablecoin-là, a quand même pas mal d'arguments pour se démarquer de ceux qui existent déjà sur le marché. Mais c'est bien beau. Comment la Société Générale va se rémunérer avec ça? À quel moment ils vont être gagnants financièrement parlant, entre guillemets? C'est une vraie question. Ils font pas ça pour la gloire. Hein. Forcément, il y a un business model derrière. Et finalement, il est assez classique. En fait, les gens qui ont besoin d'un stablecoin, ils vont donner des euros à Société Générale. Et ces euros, donc, ils vont faire partie de la réserve. Et bah, cette réserve, on peut générer du rendement, en fait, sur ces euros qui dorment.
Société Générale peut en générer de différentes manières, tout simplement en laissant le cash sur un compte rémunéré, ou alors en investissant dans des actifs un peu plus risqués, comme des obligations d'État, des obligations souveraines. C'est le cas, par exemple, de Circle, fait comme ça. Mais Société Générale a voulu être très conservateur, c'est laissé en cash pour l'instant. Donc le rendement est un peu inférieur aux obligations souveraines, mais voilà, ça reste quand même intéressant. Quand les réserves sont grosses, là pour l'instant c'est que 10 millions. Mais si on imaginait qu'ils damaient le pion à Tether et qu'ils avaient une réserve de 80 milliards, avoir des taux de 4, 5, 6% sur ces milliards-là, ça fait beaucoup à la fin de l'année. Jérôme, ce stablecoin, il a de l'avenir pour vous ? Oui, je pense que je suis complètement en ligne. C'est vrai que souvent on est assez fiers de, à juste titre, de nos startups, de nos fintech. Mais là, on a une grosse institution qui est vraiment leader au niveau mondial. Vous l'avez dit, on ne voit pas ça ailleurs. JP Morgan avait fait donc son JPM Coin, mais qui était plus limité, avant peut-être, mais avec quelque chose de très intéressant, mais plus limité. Là, ce que fait Forge, dans ce cas-là, ce qu'ils avaient fait avant, ils avaient fait un emprunt sur le MakerDAO, donc vraiment de la vraie DeFi en DAI pour refinancer des obligations. Ils sont toujours à la pointe, ils font des choses très, très innovantes en utilisant intelligemment les possibilités de la blockchain dans ce domaine institutionnel. Peut-être qu'un jour, ils iront dans le domaine du retail, dans le domaine du grand public, mais pour l'instant, dans le domaine de l'institutionnel. Et ils sont vraiment à la pointe au niveau mondial. Ils font des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Oui, je pense qu'il faut le souligner. J'ai aucun mal à dire que là, je pense que Société Générale, à travers sa filiale SG Forge, est l'acteur financier, en tout cas bancaire, le plus innovant à travers les outils blockchain dans le monde. Vraiment, donc il faut le souligner. C'est assez intéressant de voir tous ces acteurs de la finance traditionnelle qui petit à petit arrivent sur le Web3. On le voit aux États-Unis, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps par rapport aux ETF, tous les BlackRock, etc. qui arrivent, et les Binance qui sont un peu plus dans la tourmente, en tout cas les FTX qui... Voilà. Il y a une redéfinition de ce marché-là qui est en train de se faire et c'est assez intéressant. Grégory, il faut quand même que, pour ce stablecoin, il y a quand même quelque chose à surveiller. C'est MiCA, Market in Crypto Asset, qui arrive dès le 30 juin 2024. Donc c'est bientôt, puisqu'on est bientôt en 2024. Pour les stablecoins, est-ce que la Société Générale est déjà prête ? Parce que quand vous nous dites ça, on pourrait croire que oui, qu'ils ont pris pas mal d'avance, qu'ils ont pris beaucoup de précautions. Et finalement, ce serait pas si évident que ça. Alors, en fait, si la réglementation MiCA entre en vigueur aujourd'hui, ils ne seraient pas prêts. Mais ils ont encore 6 mois, en fait. Parce qu'à partir du 30 juin 2024, les émetteurs de stablecoin devront avoir ou une licence d'établissement de monnaie électronique ou une licence d'établissement de crédit. En gros, une licence bancaire. Là, pour l'instant, SG Forge, donc la filiale blockchain, n'a pas ces licences-là. Mais ils font partie du groupe Société Générale. Et en fait, ça va très bien se passer. Société Générale a sur énormément de filiales en Europe, ces licences-là. Donc il y aura juste en fait une harmonisation réglementaire à avoir. Et en tout cas, Jean-Marc Stenger, qui est le CEO de SG Forge, me l'a confirmé hier, il n'y aura pas de problème, ils seront prêts au 1er juillet. Par contre, pour les concurrents, c'est loin d'être évident. Le plus gros, en tout cas sur les stablecoins euros, c'est celui de Circle, l'américain, donc qui émet l'Eurocoin. Eh bien, ils n'ont encore aucun enregistrement. Et surtout, ce n'est pas un acteur bancaire à la base. Donc ils n'ont pas vraiment la même culture et ça va être très dur d'avoir ces agréments, enfin en tout cas ces licences comme ça, tandis que Société Générale, c'est très facile pour eux. Donc quelque part, que ce soit en États-Unis, aux États-Unis, en Europe ou en France, le retard entre guillemets qu'ont pris les acteurs de la finance traditionnelle sur le Web3, ils pourraient le rattraper en arrivant à se conformer plus vite aux réglementations assez contraignantes et assez coûteuse pour s'y conformer. Bien sûr. Ça pourrait vraiment redéfinir le marché. Ah mais complètement. Et je pense que la réglementation MiCA a été conçue dans ce sens. En fait, pour freiner les acteurs crypto natifs et favoriser les acteurs financiers et bancaires traditionnels. Là, c'est une évidence que Société Générale est dans un fauteuil pour devenir le stablecoin dominant en Europe. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme, que le fait que qu'un règlement comme MiCA ait été conçu pour indirectement favoriser ces acteurs traditionnels ? Oui, indirectement. Ce qu'on voit depuis un mois, deux mois, c'est la fin de la période où tout est permis. La cour de récré, c'est fini. C'est FTX, jugement de SBF, Binance.
on ne fait plus du n'importe quoi. Il y a des règles, il y avait des règles avant, qui s'appliquent à la crypto comme au reste. La réglementation joue son rôle. Et quelque part, vous savez qu'aux États-Unis, les acteurs de la crypto pleurent pour avoir des réglementations, pour savoir quelles sont les règles du jeu. On veut bien jouer à un jeu, mais quelles sont les règles? Aujourd'hui, chaque fois, ils vont devant le tribunal, face à la SEC, Ripple qui a gagné face à la SEC, ils vont aller devant le tribunal parce qu'il n'y a pas de règles bien définies. Et ils disent, faites comme en Europe, où il y a MiCA. Et je pense que globalement, l'industrie est relativement contente des règles de MiCA. Il y a un cadre défini, donc on va pouvoir jouer selon les règles. Donc c'est bien. Oui, c'est vrai que ça renforce les institutionnels. Il y a un petit peu de protectionnisme européen, mais ça donne des règles claires. Par contre, ce qui va être dur, c'est pour les petits acteurs. Avoir des licences telles que l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de crédit, c'est quasiment impossible hein, pour une toute petite start-up. Donc en fait, voilà, ça laisse la voie royale pour les grands acteurs bancaires et financiers. Mais est-ce que c'est bon pour l'innovation ? Ouais, je sais pas. Affaire à suivre. On verra ça. On verra ça dans les semaines et mois qui viennent. Mais bonne nouvelle, en tout cas, toujours en France, parce que la société où vous travaillez, Jérôme, Idemia, vient de lancer un nouveau type de hardware wallet. Hein. Tout d'abord, petit rappel de à quoi sert un hardware wallet. La question, c'est de savoir comment on conserve ses cryptos, ou même si on va accéder à des services de DeFi, les clés pour avoir accès à la DeFi. Donc pour les cryptos, y a les ETF qui arrivent, donc ça serait une manière très très simple de détenir de la crypto, mais les personnes qui sont un peu plus dans le milieu, je pense vos auditeurs, vont dire oui, mais enfin, est-ce qu'on détient vraiment de la crypto? On a un genre d'équivalent crypto. Vous, votre thèse, c'est que plus c'est simple, moins c'est sécurisé. C'est sécurisé, moins on a de contrôle. C'est le fameux adage not your keys, not your coins. Si vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les bitcoins. Donc, soit qu'on n'a aucun contrôle, qui est complètement contre l'éthos, contre la culture de la crypto, soit en termes de sécurité, des FTX, je n'ai pas contrôle de mes cryptos, elles sont prêtées à je ne sais pas qui, il n'y a aucune transparence, et on sait comment ça finit. Donc vraiment, il y a cette idée de vouloir avoir le contrôle. Avoir le contrôle, c'est détenir les clés cryptographiques qui permettent de faire bouger les cryptos. Mais ça, forcément, c'est compliqué. Donc en effet, plus c'est sûr, plus c'est compliqué. Donc, avec un hardware wallet, pour résumer, on détient soi-même sa clé privée, donc on détient soi-même ses fonds et on en fait ce qu'on veut, mais on en a la responsabilité de la garde. C'est-à-dire que si on oublie notre mot de passe, il n'y a pas l'option mot de passe oublié. Donc, du coup, c'est quoi ce nouveau type de hardware wallet que vous sortez ? L'approche, c'est justement sur cette difficulté. Aujourd'hui, un hardware wallet, c'est très sécurisé, ça marche bien. Encore une fois, les experts sont habitués à l'utiliser, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Et pour le grand public, si on veut aller au-delà de, disons, 10 millions d'utilisateurs, si on veut que demain, tout le monde ait soit des cryptos, soit l'accès aux services Web3 et des services qui peuvent être un peu ce dont on a parlé avant, mais globalement, la tokenisation de l'économie. Hein, on est vraiment dans une situation où je pense que tous les actifs du monde réel, dans The Big Whale, vous avez pas mal écrit sur le sujet, et c'était très intéressant, il y a une forte tendance à la tokenisation de l'économie, il va falloir avoir les clés de ces tokens. Et ces clés, elles doivent être faciles à utiliser. Donc encore une fois, solution logicielle, sur le téléphone, c'est pas très sécurisé. Le hardware wallet doit être simple. Et c'est vraiment sur cette base-là qu'ont bossé nos ingénieurs. Et ce qu'on lance, en fait, c'est un format carte. C'est une carte, comme vous la connaissez, avec une petite nuance, c'est qu'il y a un capteur biométrique. Laissez-la un peu longtemps qu'on puisse la voir bien à l'image. Un capteur biométrique intégré dans la carte. Donc ça, c'est quand même l'ajout un peu. C'est quoi pour ceux qui sont en radio, c'est un peu comme une carte bancaire là. Ça ressemble exactement à une carte bancaire. Et vous voyez, donc il y a le petit carré noir. Ça, c'est l'empreinte biométrique. Donc je vais aller mettre mon doigt dessus, comme au moment où je l'utilise, pour déverrouiller mon wallet. Donc forcément, si l'un de vous a la mauvaise idée de me le subtiliser, il ne pourra rien en faire, puisque sans mon empreinte biométrique, je ne pourrais pas... Il faut vous couper le doigt, quoi. Le débloquer. Ça ne marche même pas. Je le garde. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, vous voyez, je vais un peu me vanter. Hein, vous voyez, c'est vraiment une carte plastique habituelle. Très flexible, ça a l'air très confort dans la poche. Bon, voilà. Donc comment ça va s'utiliser? Encore une fois, le but, c'est la simplicité d'utilisation. On veut aller vers les 100 millions d'utilisateurs qui arrive. Donc je vais faire, comme d'habitude, sur mon wallet préféré, mes opérations. Simplement, les clés, les fameuses clés, on va vouloir protéger. Je ne vais pas les stocker dans mon mobile pour qu'une app malicieuse, un virus, qui les pique. Mes clés, elles sont technologie carte à puce. Vous connaissez l'histoire. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en matière de sécurité.
Donc simplement au moment où je vais vouloir faire l'opération, on va dire payer pour faire ça, mais bouger mes cryptos, là je vais apporter ma carte, je vais la taper contre le téléphone, simplement en la portant à proximité. En sans contact quoi, c'est-à-dire on la pose dessus comme... En sans contact, ouais. Exactement comme on ferait un paiement sans contact, c'est exactement la même idée. Là c'est pas du paiement, c'est de la signature sur la blockchain, avec bien entendu mon doigt au bon endroit pour déverrouiller le capteur biométrique, et là je vais pouvoir faire mon opération crypto. Donc l'idée encore une fois, c'est comment faire quelque chose de simple, pas de complexité, simple pour les utilisateurs, des gestes qu'ils sont habitués à faire, et donc c'est la volonté qu'on a sur le marché. Donc vraie innovation, mais après la question qu'on peut se poser, c'est avec l'arrivée prochaine de tous ces ETF, notamment Bitcoin Spot, peut-être Ethereum Spot, peut-être certainement d'autres suivront derrière, est-ce que finalement tout ce qui est hardware wallet, ça va être de moins en moins démocratisé? Vous, votre pari, c'est qu'avec un des narratifs potentiellement qui devrait arriver, qui est la tokenisation des actifs réels, on serait quand même contraint, obligé, ou trouvez le mot que vous voulez, d'utiliser ce genre de méthode pour sécuriser ces cryptos. En fait, oui, c'est vraiment une affaire de vision. On revient souvent sur sur la tokenisation, qui va être très impactante sur l'économie. Les actions, il y a quelques temps, sont passées du papier au numérique. C'était une rupture majeure. Là, elles vont passer du numérique à la tokenisation. Ce qui change tout, ce n'est pas juste des infrastructures informatiques. Ça veut dire moins d'intermédiaires ou pas d'intermédiaires, des frais réduits. Et la tokenisation, elle va arriver. Donc ça, on est plus dans l'institutionnel, comme on en parlait tout à l'heure. Dans le retail également. Un exemple qui vaut ce qui vaut. Je vais aller au concert ce soir. Je vais acheter une place sur eBay. Bon. D'occasion. Donc. Je vais vouloir quoi ? Je vais vouloir vérifier l'authenticité du ticket et je vais vouloir également être garanti de recevoir le ticket et mon vendeur garanti de recevoir l'argent. Ça, avec les technos de la blockchain, on sait faire très très simplement. Les trois opérations vont se faire, on dit de manière atomique, c'est-à-dire toutes les trois ou aucune. Donc ça, c'est un exemple de tokenisation. On peut faire un token, on va vérifier par la même occasion cryptographiquement, mathématiquement, l'authenticité du billet. Je vais utiliser, donc c'est un NFT hein, dont on parle, le billet sous forme de NFT, je vais utiliser ce NFT pour rentrer dans le stade. Donc là, on a un exemple retail, et il y en aura bien d'autres. Et là, c'est l'innovation qui va le faire. Les startups qui vont innover dans le domaine. On voit que la tokenisation de l'économie va arriver à tout le monde. Et c'est là qu'on aura besoin, pour accéder à ça, typiquement d'un wallet non hébergé, qui pourrait être hardware pour des raisons de sécurité. Grégory, vous avez un avis là-dessus ? Parce que c'est vrai que ma question de tout à l'heure, c'était plus sous l'angle, il y a eu FTX, et au moment de FTX, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans les hardware wallets, notamment on peut penser à Ledger, qui ont fait des profits records, parce que tout le monde a eu peur, et tout le monde s'est dit, bon, on va aller sur des hardware wallets, parce que les plateformes d'échange centralisées, on n'a plus confiance. Maintenant qu'il y a ces acteurs traditionnels qui arrivent, qui vont être... surbaqué en termes de réserve, en termes de réglementation, est-ce qu'il y aura, selon vous, toujours un attrait aussi fort, justement, pour des solutions comme celle-ci, de sécurisation en hardware wallet ? Moi, ma vision, c'est que c'est illusoire de penser qu'il va y avoir 30 millions de Français qui vont détenir leurs clés, qui vont gérer leurs clés en propre. J'aimerais, hein, mais je pense pas que ça sera le cas. Regardez, la plupart des gens, enfin, utilisent des mots de passe type 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur leur ordinateur, leur téléphone. Donc, gérer une clé privée, on voit bien que les gens n'en sont pas capables. Par contre, il y a une demande pour ça, mais c'est plutôt une niche. Et j'ose espérer que celle-ci va grossir de plus en plus. Mais voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait 30 millions de personnes en France qui utilisent ces moyens-là. Mais on le voit bien, là, il y a une excitation autour de l'ETF. Et l'ETF, c'est quoi en fait ? Ben, c'est qu'on investit, enfin on achète du Bitcoin comme si on achetait une action dans son compte titre. C'est très simple, on n'a pas à gérer la conservation. Et en fait, je crois que c'est ça que les gens attendent. Si après, ils ont envie de se former et d'aller un peu plus au cœur du Bitcoin, moi, je les encourage à faire ça. Mais si on veut juste une exposition, un investissement, l'ETF, ça sera beaucoup plus simple. Et oui, voilà. Bon, il nous reste quelques secondes. Jérôme, peut-être le mot de la fin. Effectivement, ce que dit Grégory est intéressant là-dessus. Mais on peut se dire aussi que ces nouveaux entrants, après, il y en a certains qui voudront peut-être aller plus loin. Et du coup, ce fera peut-être des nouveaux clients potentiels. Tout à fait. Et encore une fois, il y a la détention de Bitcoin, mais ça va au-delà de ça. Et l'idée, cette culture, encore une fois, cette culture très forte du milieu crypto de
d'avoir le contrôle, je pense, va essaimer au fur et à mesure. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Jérôme Edenbaum, en charge du business monnaie numérique chez Idemia et auteur du livre « Qui va gagner la guerre ?» des crypto-monnaies. Grégory Raymond aussi était avec nous, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Merci messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommerer et les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, le club.